Mon fils. Il a quel âge ? 9 ans et demi. Elle est à vendre la maison. T'imagines ce qu'on peut faire ici ? Là, tu fais un resto. Ouais, franchement, ça serait le rêve, un truc comme ça. Hein. Comment on va faire pour l'apport ? Faut prendre des prêts à la consommation. Voilà, merci, vous êtes propriétaire. Refus d'ouverture, on n'est pas aux normes. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de blé. Il y en a encore au moins pour 20 000 euros. C'est délirant, votre situation. C'est complètement suicidaire. Il y a mes patrons qui m'ont reparlé du boulot à Montréal. Je serai chef de salle là-bas, payé le double d'ici. Tu me laisses tomber, là ? Tu as chez mec qui propose du boulot, c'est ça ? Slimane, appuie-toi, s'en va ! Je pars dans 3 semaines. Je voudrais te laisser Slimane 1 mois, le temps de m'installer. Yann, dis à Slimane que je le fais venir dès que j'ai mon appart. Et je vous donne des nouvelles très très vite. Je vous aime, Nadia. Entre les traites et les pénalités de retard, moi je m'en sors pas, là j'ai vraiment besoin d'une aide. Ah bon, je peux pas. Bah mais je fais comment, moi je vis où ? Faut trouver un truc pas trop cher dans le coin. C'est pas le grand luxe, mais pour du proviseur, c'est nickel. Est-ce que c'est toi qui as volé ses chaussures ? Non. Je me fais chier la vie. À te faire à bouffer, à te laver tes fringues. Alors écoute-moi bien, on est dans la merde, mais on vole pas, d'accord ? Ouais, ma mère. T'as envie de voir ta mère ? Ça fait des mois qu'on n'a pas de nouvelles ! Elle a plus rien à foutre de notre gueule ! Quand j'étais petit, quand j'avais peur de quelque chose, je fermais les yeux et j'essayais d'imaginer comment ça allait être après. Et en fait, je me rendais compte que c'était toujours mieux après. Mais j'ai peur des poissons ! Mais non, mais c'est... Ça valait le coup. Et là, ça vaut vraiment le coup.